tension monte ici sur le Hungaroring, où les feux ne vont pas tarder à passer au vert pour la séance de qualification. Les voitures devraient sortir sur la piste à tout moment. J'ai l'impression que Lewis Hamilton est bien parti pour asseoir sa domination ce week-end, surtout si l'on se réfère à son historique ici. Ce circuit lui va comme un gant. Il a déjà gagné à 4 reprises, alors il peut viser les premières places. Il y a fort à parier qu'il obtiendra sa 5e victoire. Ce fut une performance extraordinaire pour Mercedes aujourd'hui. Leurs deux voitures se retrouvent en première ligne sur la grille demain. C'est un très bon résultat pour l'équipe et si tout se passe comme prévu demain, on pourra assister. Nous sommes à seulement 18 km de Budapest, ici en Hongrie, où la course du jour va avoir lieu. C'est le Grand Prix de Hongrie. Même si l'on savait que le circuit conviendrait parfaitement à sa Mercedes, personne n'aurait pu imaginer que Lewis Hamilton s'imposerait avec autant de facilité lors des qualifications. Et s'il évite les encombres et ne rencontre aucun souci technique, sa victoire ne devrait être qu'une formalité. On a vraiment assisté à une excellente performance de sa part hier et il a sûrement confiance en ses chances pour la victoire aujourd'hui. À moins de rencontrer des problèmes techniques ou d'être dans un mauvais jour, il devrait rester en tête. Sébastien Vettel a toujours surpassé son coéquipier en qualification cette saison et ainsi prouvé qu'il est le pilote de l'équipe qui signe les meilleurs chronos. Seb réalise toujours ses meilleurs chronos à la fin des qualifications et au moment où vous pensez l'avoir battu, il réalise un chrono parfait et termine devant vous. Prenons notre temps pour entrer dans le premier virage. On veut être en bonne position pour le reste de la course. Bonne chance. Thank you.
Thank you.
Quel résultat fantastique de Sébastien Vettel qui nous a offert une très belle performance aujourd'hui. Très belle performance, à n'en pas douter, on n'est pas prêt de l'oublier. On espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péripéties et découvrir qui sera le nouveau vainqueur.